Yeah, I confess, father, I confess. Cause I've been living wrong. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment installer Raspbian, Debian Pixel OS, pas en live USB, mais pour qu'il soit dans votre disque dur, installé complètement, définitivement. Avant de commencer, il faut faire le tuto pour créer le live USB de Debian Pixel. Je vous mettrai l'adresse dans la description. Alors faites bien attention, sauvegardez vos données parce que tout votre disque dur va être effacé et vous pourrez rien récupérer une fois que ce sera partitionné. Alors pour commencer, je me connecte en SSH à l'ordinateur où le live USB est installé, où il tourne. Alors je fais ça juste pour faire la vidéo, mais vous pouvez taper directement dans le terminal de votre ordinateur. Voilà, alors j'installe gparted. Une fois que c'est fait, je fais sudo gparted pour l'ouvrir. Je fais une partition de tout le disque dur en ext4. Je regarde bien comment s'appelle la clé USB et le disque dur. Et là, je fais sudo cp dev la clé USB vers dev le disque dur. Alors ça prend vraiment du temps, ça dépend de la puissance de votre ordinateur, mais ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Une fois que c'est fait, vous redémarrez votre ordinateur. Vous choisissez de le faire fonctionner avec persistance. Alors vous contrôlez bien que sur la partition persistance, elle prend tout le disque dur. Et puis comme vous voyez, ben, ça fonctionne. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.